presse en ligne un petit peu inédit, organisé donc par l'EDEC Business School et par Sciences Po Lille. L'objectif, effectivement, c'est de faire le point sur la signature de l'accord de partenariat entre l'EDEC et Sciences Po Lille et de revenir sur les formations en management public. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'invitation, ce webinaire va durer 1 heure et il va se décomposer en 3 temps de 20 minutes chacun. Le premier temps sera consacré à une prise de parole de Emmanuel Mettet, et Pierre Mathiot, qui vont nous proposer une mise en perspective de l'accord. Une deuxième prise de parole par Tristan Pierre-Maury, qui est professeur à l'EDEC, qui va détailler le parcours pédagogique. Et un troisième temps sera laissé en fait aux questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'issue de ces deux présentations. Voilà, bah, écoutez, je pense que tout est dit et je vais laisser la parole du coup donc soit à Pierre, soit à Emmanuel. Donc c'est bonjour, donc Pierre Mathiot, donc directeur de Sciences Po Lille, je vous salue toutes et tous. Les participants, il y a mon collègue Gaëlorgue Bodenhamrel qui est le pendant de Tristan Pierre-Maury pour Sciences Po dans la mise en place et la gestion du programme qu'on met en place donc à la rentrée prochaine. Alors un mot rapide parce que je pense qu'il faut qu'on soit rapide et dynamique. Donc effectivement, on met en place un accord entre Sciences Po Lille et l'EDEC, ou entre l'EDEC et Sciences Po Lille, ça dépend comment on se place. C'est un accord qui, dans les deux cas, je pense, participe de la stratégie de développement de nos établissements. Alors, accord qui, en gros, prend trois, enfin, va avoir trois éléments centraux. D'abord, mais on va y revenir, je pense, pas mal, la mise en place d'un double diplôme autour du management des politiques publiques, donc qui sera coordonné par Tristan Pierre-Maury et par Gaëlorgue Bodenhamrel, qui sera mis en place dès la rentrée prochaine, qui sera ouvert à la fois aux étudiants de l'EDEC et aux étudiants de Sciences Po Lille, et qui permettra à l'issue de ce double diplôme l'obtention pour tous ces étudiants à la fois du diplôme de Sciences Po Lille et du diplôme de l'EDEC Programme Grande École. Donc ça, c'est le premier élément de cet accord. Deuxième élément de l'accord, c'est autour de la préparation au grand concours, et notamment au concours de l'ENA, mais plus largement au grand concours des fonctions publiques. Sciences Po Lille dispose d'une préparation depuis de très nombreuses années, et donc on va se coordonner avec l'EDEC de telle manière qu'un certain nombre d'étudiants de l'EDEC qui sont intéressés par ce type de concours puissent intégrer cette préparation au grand concours des fonctions publiques en bénéficiant d'enseignements durant leur cursus grande école proposés par nos enseignants pour leur permettre donc d'accéder à cette formation de préparation au grand concours. Et puis le troisième pied de cet accord concerne des projets en matière de recherche, hein, c'est-à-dire d'additionner nos forces, de conjuguer nos forces autour donc des questions de management des politiques publiques et de l'action publique, hein, pour ensemble, aussi bien nos chercheurs, enseignants-chercheurs que éventuellement nos étudiants, travailler sur des projets communs de recherche, de recherche-action autour des questions de l'action publique. Voilà, et je terminerai simplement en disant que cette réflexion qu'on a eue ensemble autour de l'intérêt qu'il y avait entre une école de management et un Sciences Po de monter quelque chose autour du management des politiques publiques, cette réflexion, elle était antérieure à l'épidémie, mais c'est vrai voilà, il nous apparaît très intéressant de marier nos forces et en même temps des visions probablement de l'action publique qui sont assez différentes, hein, selon nos écoles. Voilà, donc évidemment, nous avons je ne veux pas dire une occasion, mais c'est vrai que ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement autour des questions de santé, va nous permettre probablement d'avoir déjà des premiers terrains d'investigation en commun. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire pour lancer l'affaire. Je pense qu'Emmanuel va sans doute renchérir. Oui, bonjour. Grand plaisir de vous accueillir en ligne. Alors, un tout petit clin d'œil, en fait, on vous accueille sur une plateforme qui s'appelle Collaborate. Donc, vous n'êtes pas les uns les autres familiers forcément avec ça, entre Zoom, Teams et compagnie, mais on tenait à vous accueillir dans ce qui est, ben, en fait, une salle de classe virtuelle de l'EDEC aujourd'hui. Donc, voilà, vous voyez un peu sur quoi nos étudiants font cours. Donc, effectivement, c'est une application qui est spécifiquement dédiée à ça et qui permet évidemment pas mal d'applications pédagogiques. Voilà, je referme la parenthèse.
Donc évidemment, moi aussi, bah, très heureux de présenter cette convention entre deux grandes institutions lilloises. Alors, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Pierre. Il y a effectivement dans l'accord à la fois un accord de double diplôme, un accès à la pré-PENA et aux préparations au concours, et puis un volet recherche auquel on a d'ailleurs, puisque la convention a été signée début avril, donc on a fort opportunément rajouté les enjeux sanitaires en fait à cette convention et à cette partie recherche, puisque effectivement, forcément, ça va être un sujet important. Alors, j'irai pourquoi finalement, bon, le pour deux institutions lilloises qui pendant longtemps n'avaient pas forcément travaillé ensemble, et puis voilà, l'occasion s'est trouvée de deux dirigeants qui par ailleurs sont nés dans des endroits qui battent des records de température froide en hiver, donc ça, on a tous l'impression d'avoir survécu à quelque chose, donc ça crée des liens. Et voilà, on s'est dit qu'on avait effectivement chacun en charge des institutions, enfin une institution, que ce soit Sciences Po Lille ou que ce soit l'EDEC, qui est évidemment très ancrée dans son territoire et qui a vocation aussi à se projeter bien au-delà, y compris à l'international. Et donc on s'est dit, ben pourquoi pas unir nos destins sur un certain nombre de projets qui sont importants pour nos institutions et pour nos étudiants. Alors côté EDEC, en fait, en quelques mots, bon, on a toujours eu des étudiants intéressés par les affaires publiques. Beaucoup de nos étudiants ont poursuivi leurs études en Sciences Po après l'EDEC ou à l'ENA. On a d'ailleurs une de nos diplômées aujourd'hui qui est secrétaire générale adjointe à l'Élysée. Donc voilà, il y a une longue tradition d'intérêt particulier des étudiants et des diplômés de l'EDEC pour les affaires publiques. Et finalement, c'est un accord aussi que nos étudiants attendaient depuis longtemps. Et puis, de manière, j'allais dire, plus évidente dans le contexte d'aujourd'hui, bon, l'EDEC vient de lancer son plan 2025 hein, qui s'appelle EDEC for Future Generations, qu'on a d'ailleurs présenté juste avant le confinement et qui, d'une certaine manière, souhaite ancrer l'action de l'EDEC pour faire en sorte que le business soit vraiment considéré aujourd'hui par tous nos diplômés comme un levier extrêmement puissant pour résoudre les grands problèmes de société. On a des problèmes, évidemment, des grands problèmes à résoudre, que ce soit le changement climatique, que ce soit aujourd'hui cette crise, etc. Et je pense qu'il est important, plus que jamais, pour les diplômés d'école de commerce, et en tout cas pour les diplômés de l'EDEC, de s'emparer de sujets qui vont leur permettre de mieux traiter les grandes questions de société, de mieux mettre en fait le business au service de la société. Et c'est aussi dans cet esprit-là, nous, qu'on a conçu cet accord avec Sciences Po Lille, dont on est évidemment extrêmement fiers et sur lequel, bien sûr, on fonde de grands espoirs et de grandes ambitions. On a déjà des programmes un peu en lien hein, avec les humanités au sens large, la société, que ce soit un master alors ce qu'on appelle Creative Business, qui existe depuis longtemps et qui a vocation à former des étudiants, par exemple, qui s'intéressent aux affaires publiques. On a un MSI en développement durable également. Donc voilà, il y a toute cette tradition à l'EDEC, et finalement, l'accord avec Sciences Po Lille ne fait que, j'allais dire, consacrer cette tradition à l'EDEC, et puis évidemment nous permettre de franchir un pas significatif supplémentaire dans ce sens-là, en notamment formant des étudiants avec un double diplôme à la clé en affaires publiques et en business. Voilà en quelques mots les enjeux côté EDEC pour cet accord dont, encore une fois, on est extrêmement fiers. Et donc je vais laisser, alors je salue aussi Richard Perrin côté EDEC qui a été dans la négociation de cette affaire-là depuis le début, et puis bien sûr je remercie Tristan Pierre-Maury, à qui je passe la parole maintenant et qui va présenter un petit peu plus précisément le contenu de l'accord, notamment sur le plan pédagogique. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Tristan Pierre-Maury, professeur d'économie à l'EDEC. Donc, je vais rentrer un petit peu plus précisément maintenant dans le cursus du double diplôme. Donc, double diplôme dont l'intitulé est Management des politiques publiques. Donc, voilà, vous avez maintenant une slide avec l'évolution, la timeline du cursus du double diplôme. Déjà, peut-être quelques mots en termes d'enjeux. Ce double diplôme a vraiment été conçu pour essayer de répondre à une demande, ce qu'on perçoit comme une demande de la part du secteur public. Le secteur public peut s'agir des ministères, des opérateurs de l'État ou des collectivités locales,
pour des professionnels, des managers ayant des compétences transverses. Avec vraiment une double culture public-privée, des managers qui soient également opérationnels et qui aient beaucoup d'autonomie. Parce que généralement, quand on se retrouve à travailler pour le secteur public ou auprès du secteur public, l'autonomie, la diversité des connaissances, des savoirs est extrêmement importante. Donc, il y a trois grands axes, si je devais parler de manière assez générale. Donc, la transversalité, la formation de ce double diplôme doit préparer à des parcours professionnels liés aux enjeux publics. Et donc, former des professionnels capables d'évoluer à la fois au sein du secteur public comme au sein du secteur privé en soutien à la conduite des politiques publiques. Le deuxième aspect, c'est donc le caractère opérationnel. Alors, je vais entrer plus dans le détail tout à l'heure, mais en termes d'articulation du contenu pédagogique des cours, il y aura évidemment des savoirs académiques. C'est bien sûr indispensable, mais une grande partie de ce cursus de double diplôme est conçu sur des connaissances très pratiques et immédiatement opérationnelles. Il y a énormément de cours qui vont être basés sur des projets conduits en quelque sorte en mode projet, des projets qui peuvent être conduits de manière individuelle ou collective, mais voilà, un certain nombre de cours qui ne sont pas des cours classiques au sens où on peut l'entendre, mais vraiment des cours basés sur une conduite de projet très pratique. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'autonomie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très important, cette autonomie, quand on travaille auprès de la sphère publique, notamment lorsqu'on se retrouve dans de la gestion de projet. Donc, le double diplôme est là également pour apporter une autonomie, une diversité des connaissances. Donc, ça va de la connaissance des institutions publiques, du cadre juridique, à la fois le cadre juridique, le droit public et droit privé, la connaissance de l'environnement économique, notamment notre environnement macroéconomique qui est si incertain en ce moment, si changeant, et également beaucoup de connaissances beaucoup plus précises, beaucoup plus techniques en stratégie, en organisation, beaucoup d'aspects sur le financement, j'y reviendrai tout à l'heure, ce sera très important, sur le digital, sur les systèmes d'information, etc. etc. Donc vraiment trois grands axes pour ce double diplôme, à la fois la transversalité, public et privé, le caractère opérationnel, il y aura des savoirs académiques, mais on a mis l'emphase sur le côté opérationnel rapidement, et l'autonomie, en essayant d'apporter à nos étudiants un grand nombre de connaissances différentes dans des champs très variés, pour justement acquérir cette autonomie. Alors maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail, nous sommes, donc voilà, pour ce double diplôme, nous sommes fixés un objectif de 24 élèves pour cette première promotion, avec un souhait de parité de la part de l'EDEC et de Sciences Po, c'est-à-dire que ces 24 élèves seront issus pour moitié de l'EDEC, donc 12 élèves de l'EDEC, et pour moitié de Sciences Po Lille, 12 élèves de Sciences Po Lille. Les 12 élèves issus de l'EDEC seront issus de la première année d'EDEC, ce qu'on appelle nous notre année pré-master, notre année de préparation au cycle master. Et les 12 élèves de Sciences Po seront issus de la filière générale ou de la filière franco-britannique. Voilà, je dois dire que le recrutement a déjà commencé. On est dans la phase de recrutement de ces 24 élèves. Tout se passe très très bien. Le recrutement devrait avoir pris fin à la mi-juin. Donc à la mi-juin, on aura la liste définitive des 24 élèves qui rejoindront le double diplôme. De toute évidence, le diplôme suscite de l'intérêt, tant du côté d'EDEC que du côté de Sciences Po. Donc nous n'aurons pas de difficulté à avoir 12 étudiants motivés côté EDEC et 12 étudiants motivés côté Sciences Po. Voilà. Alors, si je rentre maintenant dans la timeline, le déroulement chronologique du double diplôme, celui-ci, donc comme le disait Pierre Mathieu en tout début de conférence, donc c'est un cursus de 3 ans, au terme desquels les étudiants verront remettre, sous réserve bien sûr d'avoir validé tous leurs crédits, à la fois le diplôme Grande École de l'EDEC et le diplôme de Sciences Po Lille. Les deux, chacun valant grade master. Donc, sur l'ensemble d'un cursus de 3 années. La première année va commencer.
commencé donc là, en septembre 2020. La première année de ce cursus se déroulera sur le campus de l'EDEC à Roubaix. Voilà, c'est plus pratique de faire en sorte que les cours sur une année se déroulent sur un campus précis. Mais pour nous permettre de générer cette mixité et la synergie des compétences et des connaissances côté EDEC et côté Sciences Po, on a décidé qu'en fait les étudiants seraient sur un campus, mais que les professeurs allaient se déplacer. Donc dès la première année à l'EDEC, donc une année entre septembre 2020 et juin 2021, il y aura une partie des cours qui seront donnés par des professeurs de l'EDEC et une autre partie des cours qui sera donnée par des professeurs ou des intervenants de Sciences Po Lille. Donc des professeurs de Sciences Po Lille qui se déplaceront sur le campus de l'EDEC pour aider à cette culture commune et à cette synergie des cours entre l'EDEC et Sciences Po. Pour cette première année à l'EDEC, de manière globale, il y a, je dirais, deux grands axes pour les cours qui seront donnés. Le premier axe, ce sera vraiment un axe business management, qui est un petit peu l'ADN de l'EDEC. Donc, des cours de business management, je pense à des cours de comptabilité, des cours de stratégie, des cours de finance d'entreprise, des cours de droit, des cours de transformation digitale. Un certain nombre de cours également liés à la gestion de projet qui sera si importante pour tout le déroulement du double diplôme. Donc ça, c'est le premier axe, un axe vraiment business management orienté vers le privé, le premier axe très important de ce double diplôme. Et un deuxième axe orienté affaires publiques et notamment orienté sur la conduite et l'évaluation des politiques publiques. Donc il y aura un certain nombre de cours de droit public, mais beaucoup de cours basés sur des outils de pilotage des politiques publiques et des outils d'évaluation des politiques publiques. Voilà, donc voilà pour un résumé global de ce qui se passera lors de cette première année, cette année de M1, qui encore une fois se déroule sur le campus de l'EDEC à Roubaix. Au terme de cette première année, un premier stage, un stage de 6 mois, donc de juillet 2021 à décembre 2021. Je n'insiste pas trop pour le moment sur ce premier stage, j'y reviendrai quand je parlais du second stage, celui qui ponctuera le double diplôme. Après ce premier stage, toute la promotion se déplace et tous les cours auront lieu lors de l'année M2, donc qui aura lieu sur une année civile de janvier 2022 à décembre 2022, pour la première promotion, sur le campus de Sciences Po à Lille. Donc, physiquement, les cours auront lieu sur le campus de Sciences Po à Lille, mais avec toujours cette volonté de mixité et de partage des connaissances et de partage des enseignements. Donc là encore, il y aura un certain nombre de cours, une majorité de cours qui sera donnée par les professeurs de Sciences Po, mais également des cours qui seront donnés par des intervenants de l'EDEC qui se déplaceront sur le campus de Sciences Po à Lille. Pour cette deuxième année de cours, il est possible d'extraire différents axes. Un premier axe, c'est sur la gestion de projet. Comme je le disais tout à l'heure, on va beaucoup insister sur cette dimension gestion de projet dans la structure même des cours qui sont donnés, puisque certains cours se basaient directement sur de la conduite de projet et de la mise en pratique, vraiment un caractère très opérationnel pour les étudiants. Un deuxième axe que je vois apparaître, c'est le côté territorial, dimension locale et partenariat avec les collectivités territoriales, avec des cours sur la connaissance des acteurs des politiques locales, sur les innovations et territoires, sur les villes et le développement des projets urbains, sur le développement territorial. Donc voilà pour un deuxième axe très axé sur les territoires. Et enfin, un troisième axe qui est dans le prolongement de ce qui aura été commencé lors de l'année M1 à l'EDEC sur la conduite et l'évaluation de politique publique. Donc avec des cours, là encore une fois, très opérationnels sur la conception et la fabrique des politiques publiques, sur l'évaluation des politiques publiques, mais cette fois en insistant sur certaines politiques publiques précises, notamment des politiques publiques liées à l'éducation. Donc voilà les grands axes des cours qui seront donnés lors de cette année M2 sur le campus de Sciences Po à Lille. Et enfin, tout ceci est ponctué par un second stage, là encore une fois un stage d'un semestre, qui ponctuera donc ce cursus de 3 années du double diplôme. Maintenant, si je reviens un tout petit peu plus précisément sur ces stages,
Alors, on n'est pas, on va pas imposer énormément de contraintes sur les stages. C'est-à-dire qu'on n'impose pas que ces deux stages se fassent forcément dans le secteur public ou qu'ils se fassent forcément dans le secteur privé. Les étudiants auront, en fonction de leurs besoins et de leurs choix, une certaine latitude. Il est tout à fait possible qu'ils fassent un des deux stages dans le secteur public et que l'autre soit dans le secteur privé, orienté vers les affaires publiques. La seule contrainte que je vois pour ces stages, c'est le caractère international. Notamment pour obtenir le diplôme grande école de l'EDEC, il est indispensable d'avoir une expérience de 6 mois à l'international. Alors, selon le background des étudiants de cette promotion, certains auront peut-être, avant même le double diplôme, déjà eu cette expérience à l'étranger, mais d'autres ne l'auront pas eu forcément. Et donc, ceux qui n'auront pas encore cette expérience à l'étranger devront nécessairement faire un de leurs deux stages à l'étranger pour avoir cette expérience à l'international qui est indispensable pour valider le double diplôme. Voilà. Et donc, ce double diplôme, le dernier stage, ponctuera le cursus de 3 années pour ce double diplôme. Après, en termes de débouchés et de perspectives de carrière, donc à l'issue de ces 3 années de cursus partagés, sans aucunement se fermer des portes, parce que ça peut mener à des carrières très, très diverses et extrêmement, extrêmement variées, on peut malgré tout anticiper un certain nombre de perspectives de carrière. Le premier qu'on peut voir, c'est le conseil, évidemment. Le conseil et l'audit auprès du service public, il y a des besoins qui sont très forts dans ce domaine. Donc, ça peut être des conseils sur la conduite même des politiques publiques, l'évaluation des politiques publiques. Mais ça peut être également du conseil en stratégie, en organisation, du conseil en pilotage de la performance, du conseil en conduite du changement, donc typiquement en transformation digitale. Donc, voilà, je pense qu'il y a un premier axe fort côté consulting en termes de perspective de carrière. Un deuxième axe, c'est bien sûr, là, j'en ai beaucoup parlé précédemment, c'est la gestion de projet. Là encore, nous pressentons qu'il y aura des besoins très, très importants. Donc, la gestion de projet, comme vous l'avez vu, le cursus est largement axé sur la conduite du projet, la notion de financement de projet. Donc, cet axe project management est également très important. Il y a également un axe développement économique et financement, où il y a actuellement des besoins. Je pense par exemple aux banques publiques pour ce qui est du caractère financement et structuration des financements. Il y a également d'autres débouchés possibles, et les débouchés sont extrêmement, extrêmement nombreux. On peut également penser à l'intégration au sein de grandes entreprises, notamment de grandes entreprises françaises, qu'elles soient de capitaux publics ou de capitaux privés, pour rejoindre les directions des affaires publiques. Et donc, pour aider, conseiller et orienter ces grandes entreprises françaises ou internationales dans la conduite des affaires publiques. Voilà de manière assez synthétique les grands axes que nous pouvons tracer en termes de perspectives de carrière, sans encore une fois aucunement se fermer de portes. Il peut y avoir d'autres débouchés. Je pense à des débouchés du côté des ONG, je pense à des débouchés du côté de grandes organisations ou de grandes institutions internationales. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour ces présentations très complètes et très détaillées. Je vais proposer maintenant aux journalistes présents, qui sont d'ailleurs nombreux, merci beaucoup de nous avoir rejoints, de poser les questions qu'ils souhaitent, soit à Pierre, soit à Emmanuel, soit à Tristan Pierre. Voilà, je crois que Hakim, vous aviez une question. Hakim Kasmi, allô? Stéphane, s'il est possible de tendre le micro, si je puis dire, à Hakim. Oui, pour allumer les micros, vous avez un micro barré en bas de l'écran au milieu. Vous cliquez dessus et vous activez votre micro. Ah,
Alors, donc Hakim Kasmi, qui est journaliste à France Culture, donc a un petit souci de micro, mais il vient de m'envoyer sa question par SMS. Voilà, donc je vais vous la retransmettre. Donc, comment allez-vous adapter votre formation par rapport à la crise sanitaire que nous vivons? Car cette crise va changer beaucoup de choses au niveau du management de la gestion des crises. Voilà, donc en gros, quel est le lien? Et quelles sont les adaptations possibles des formations en management public face à la crise sanitaire? Je me lance. D'abord, il y a une première adaptation qui est celle de la manière d'enseigner, puisqu'on va probablement, comme la formation va commencer à la rentrée prochaine, aussi bien l'EDEC que Sciences Po Lille sont dans l'attente, disons, des arbitrages publics sur les conditions de reprise de l'activité d'enseignement. Donc, voilà, il y a déjà une première interrogation là-dessus, en particulier par rapport à l'obligation qui pourrait nous être faite, totale ou partielle, de faire une rentrée distancielle et pas présentielle. Donc ça, on ne sait pas encore, mais je pense qu'aussi bien l'EDEC que nous avons fait la preuve depuis le mois de mars de notre capacité à basculer en distanciel, même si en tant qu'enseignant, ça n'est pas notre tasse de thé que d'enseigner à distance. Mais bon, globalement, si jamais, au moins au premier semestre prochain, on était obligé d'enseigner de cette manière-là, je crois que ça ne poserait pas tant de problèmes que cela de le faire, à la condition que ce ne soit pas trop durable non plus, parce que sinon, on commencerait toutes et tous à déprimer. Bon, ça, c'est la première chose. Après, s'agissant de la formation elle-même, bon, d'abord, je fais l'hypothèse qu'on va probablement faire en sorte d'avoir des contrats ou des demandes d'opérateurs publics autour de ce qu'on appelle le RETEX, donc le retour d'expérience, hein, aussi bien la préfecture des Hauts-de-France que le CHU de Lille ont déjà manifesté leur intérêt à disposer de forces pour travailler sur un retour d'expérience. Donc je pense que pour des étudiants ou des étudiantes de cette formation, de pouvoir avoir ce type d'expérience, ça pourrait être extrêmement intéressant. Plus globalement, je pense que ça doit sans doute nous inviter à muscler nos enseignements autour de la gestion de crise, hein, parce que c'est vrai que Tristan Pierre l'a dit, voilà, dans le programme actuel d'enseignement, il y a pas nécessairement de formation dédiée à la gestion de crise, donc je pense qu'il va falloir qu'on intègre cette question-là. Il y a des travaux qui existent, hein, il y a des travaux qui ont été faits sur Tchernobyl, des travaux qui ont été faits sur la maladie de la vache folle, d'ailleurs j'en ai moi-même fait quelques-uns, sur le sida, moi aussi j'en ai fait quelques-uns, donc on va essayer de s'adapter à cette nouvelle donne, mais je pense que quand même la première interrogation pour nous, c'est très concrètement comment allons-nous pouvoir, en pratique, mettre en place la formation à la rentrée prochaine. Oui, peut-être un petit pour la rentrée prochaine, forcément un questionnement sur la manière dont seront délivrés les cours. Ça, c'est une réflexion très importante. Et puis, il y a peut-être une autre réflexion que la crise va nous amener à avoir, c'est sur la globalisation. Et sur, alors, très, très, très simplement, sur la formation en elle-même, il y a une partie de la formation qui est soumise à une expérience internationale. Donc, pour l'instant, on ne sait pas bien quelle forme elle va pouvoir prendre de manière très, très conjoncturelle et de manière plus structurelle. La crise, là, elle nous pose aussi la question, par exemple, hein, parmi les autres questions qu'elle nous pose, de savoir si... Le chemin de la globalisation, un peu chaotique à certains aspects, ne va pas être vraiment remis en cause. Hein, et si, ajouté aux envies de maîtriser le changement climatique, peut-être que dans quelques mois, quelques années, voyager, que ce soit pour du business, que ce soit pour des études ou pour bien d'autres choses, délocaliser pour des entreprises, et là aussi on est en lien à un moment donné avec les politiques publiques, elle risque d'être mise en cause. Donc c'est peut-être là aussi un sujet sur lequel on va à réfléchir dans cette formation-là, sur la place de l'international dans l'économie et dans la société. Merci beaucoup Emmanuel. On nous a beaucoup de questions en fait, de journalistes, donc je vais donner la parole à Nicolas Fellus de Studirama, qui souhaite poser une question également aux deux intervenants. Nicolas. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir sur quels critères allaient être retenus les étudiants d'EDEC. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu. Si. Tristan, peut-être, qui sera. Alors, sur les critères sur lesquels ces étudiants vont être retenus, alors, il y aura évidemment une partie académique.
les résultats qu'ils ont obtenus, notamment les résultats qu'ils ont obtenus lors de la... Là, vous parlez spécifiquement des étudiants de l'EDEC, donc je réponds spécifiquement pour les étudiants de l'EDEC, sur les résultats qu'ils auront obtenus lors de leur première année de scolarité à l'EDEC. Donc, ce sera une partie du processus de sélection. Après, on accordera une énorme importance à la motivation et à la maturité du projet qu'ils ont déjà formulé. Donc, ça se fera sur la base d'entretiens, des entretiens individuels qui vont être menés auprès des étudiants candidats pour évaluer la maturité du projet professionnel qu'ils ont déjà formé. Voilà, donc c'est un mix en quelque sorte des compétences académiques qu'ils ont déjà montrées, notamment lors de la première année à l'EDEC, avec des entretiens individuels qui sont menés auprès d'eux pour évaluer la qualité, le degré de maturité de leur projet professionnel, à quel point ils ont une appétence à aller vraiment vers le secteur public. Et pour Sciences Po Ligue, ce seront les mêmes process ? Oui, alors il y a une différence, c'est que bien sûr les étudiants de l'EDEC sont à l'EDEC depuis un an, hein, alors que chez nous ils sont là depuis 3 ans, puisque à nous ça commence à post-bac. Donc en fait nous ils rentrent de l'étranger, donc déjà la première promo a déjà été perturbée, vous l'imaginez volontiers, par l'enclenchement de l'épidémie, l'obligation qui nous a été faite de les entre guillemets rapatrier. Donc en fait chez nous c'est assez simple, tous nos étudiants, quel que soit le master auquel ils candidatent, doivent faire un dossier de candidature avec un CV, avec une lettre de motivation qui explique pourquoi ils souhaitent intégrer tel ou tel master. Donc là, voilà, on a un nombre de candidats qui excède le nombre de places, donc le nombre de 12 qui a été indiqué tout à l'heure par Christian Pierre. Et donc il y aura une commission d'admission qui opérera au début du mois de juin, qui sera d'ailleurs une commission mixte EDEC Sciences Po Lille, et qui auditionnera en fait en visioconférence les candidats pour en retenir 12. Donc là aussi, il y a le critère de la motivation. Il y a un peu le critère aussi des résultats obtenus en premier cycle. Et puis, il y a aussi un petit peu dans la motivation, éventuellement des stages ou des cours qui ont été suivis en amont qui indiqueront que l'idée d'intégrer ce cursus ne date pas de la veille de leur dépôt de dossier, mais que c'est quelque chose d'un peu plus ancré dans leur projet, dans leur motivation. Voilà. Merci. Merci Pierre. Nous avons une question de Sylvain Marcelli d'AEF. Sylvain, si vous voulez... Vous m'entendez ? Bonjour. Peut-être d'abord une question pour compléter la question sur le recrutement. Vous avez aujourd'hui combien d'étudiants candidats pour faire le ratio avec les 24 que vous retenez ensuite ? Et puis ensuite, j'avais une deuxième question plus de fond sur le fond du programme, puisque il y a tout un discours qui monte sur la remise en cause du New Public Management, qui semble être en fait un peu au cœur de ce programme de formation, notamment à l'hôpital, où on a dit que les méthodes du privé avaient fait beaucoup de mal à l'hôpital. Donc, est-ce que vous avez un discours par rapport à ça ? Comment vous positionnez par rapport à ces critiques ? Tu veux y aller, Emmanuel, ou tu veux que je me lance ? Moi, tu sais, je t'en prie. Les effectifs, bonjour Sylvain, je vous salue. Sur les effectifs, on va devoir en éliminer la moitié. Hein, on a à peu près le double de candidats par rapport au nombre de places que l'on propose. Bon, je rappelle que c'est effectivement un nouveau diplôme, hein, qu'on a annoncé pas tardivement, on l'a annoncé dans les délais, mais c'est vrai que c'est arrivé pour nos étudiants alors qu'ils avaient peut-être d'autres projets dans les masters qu'on propose à Sciences Po Lille. Mais on est plutôt satisfait de ça parce qu'on va avoir une sélection dans la sélection, parce que je rappelle aussi évidemment que nos étudiants ont été sélectionnés de façon assez redoutable à l'entrée, hein, parce qu'ils sont à peu près 1 pour 10 à être entrés, et puis au bout de 3 ans, on en resélectionne un certain nombre pour accéder au master, donc c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Alors par rapport au New Public Management, ben, on n'aura pas le temps ce matin de faire un cours sur le New Public Management, qui est un tout petit peu vous savez que moi j'enseigne, en fait, histoire et politique publique quand j'arrive encore à enseigner. Souvent on utilise la notion de New Public Management, c'est une espèce de manière de ne pas penser en fait l'action publique, c'est une manière de stigmatiser tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'action publique. Donc je ne suis pas complètement convaincu, je ne suis même pas convaincu du tout que la formation qu'on se propose de faire soit une formation pour acculturer des zélotes du New Public Management. Voilà, du côté en tout cas de Sciences Po Lille, les cours de politique publique qui sont proposés aux étudiants d'ores et déjà
ne sont absolument pas des cours de publicité vivante pour le New Public Management. On essaie plutôt de former des jeunes qui vont avoir une approche, disons, assez critique de la manière dont les politiques publiques sont pensées. Et même si beaucoup d'entre eux vont rejoindre, comme ça a été dit tout à l'heure, le domaine du conseil, je ne suis pas complètement convaincu qu'ils vont le rejoindre pour essayer de, comment dire, de continuer à diffuser les idées du New Public Management. Donc voilà, mais c'est vrai que la situation actuelle doit nous inviter à enseigner à nouveau autour des questions de régulation publique, autour des questions de périmètre légitime de l'action publique, etc., etc. C'est une crise pour ça qui va être très intéressante parce qu'elle va redonner du sens aux enseignements plus classiques de politique publique. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Nous avons Florent Verret des EcoStart qui souhaite également poser une question. Florent, oui, c'est à toi. Oui, bonjour, les EcoStars, donc la verticale jeune des échos. J'avais une question un petit peu plus large pour vous, pour les deux dirigeants d'établissement. La crise sanitaire et économique va peut-être redistribuer les cartes dans les choix de carrière de vos étudiants, peut-être plus de social, de développement durable, pour le dire un peu schématiquement. En fait, le confinement pourrait accélérer une tendance déjà présente depuis plusieurs années. Est-ce qu'au-delà de ce double diplôme qui peut s'inscrire opportunément, comme vous l'avez dit dans une forme de réponse, est-ce que vous observez déjà des conséquences de cette crise et de ce confinement dans les choix ou dans les revendications de vos étudiants? Et est-ce que vous envisagez de revoir l'un et l'autre vos plaquettes pour adapter vos formations? Merci. Alors, Pierre, on sera complémentaire là-dessus. Voir des changements d'aspiration, j'allais dire, c'est un peu tôt. On est à peine déconfiné, donc je pense que c'est un peu tôt encore pour le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on était effectivement, comme vous le soulignez, dans une des étudiants aujourd'hui à vouloir aller dans des métiers, bon, des métiers qui ont du sens, et notamment pour des étudiants en management, en business, aller dans des métiers dans lesquels ils vont avoir de l'impact, ils vont. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, le diplôme a énormément de sens pour les étudiants. Après, il est évident qu'on aura, suite à la crise, à repositionner. On voit bien que, de toute façon, il y a un certain nombre de secteurs qui ont pris la crise de plein fouet et dans lesquels le recrutement. On voit bien qu'il y a d'autres secteurs, en revanche, qui vont, je ne vais pas dire bénéficier de la crise, je n'aime pas ce mot-là, mais certainement amener des créations d'emplois, des créations de jobs. Donc forcément, on aura à repositionner l'orientation des étudiants par rapport à la crise. Bon, je ne vais pas laisser. Il y en a un certain nombre, et puis en période de crise, de toute façon, il y a toujours un peu les mêmes secteurs qui trinquent, entre guillemets. Bon, après, cette crise-là, elle est quand même assez particulière, donc voilà, on voit bien que dans certains secteurs, ça ne va pas repartir tout de suite. Et puis, dans d'autres secteurs, effectivement, on sera plus optimiste. Bon, Tristan, tout à l'heure, soulignait un petit peu les pourront prétendre les étudiants. Effectivement, on peut se dire que, y compris dans le secteur privé, tous les métiers en lien avec le développement durable, le changement climatique, l'impact sur la société en général, ces métiers-là vont certainement trouver une accélération assez forte. Alors, de notre côté, d'abord, évidemment, on n'a pas le même positionnement, je vais faire exprès d'utiliser un terme amusant, de marché que l'EDEC, hein, parce que nos étudiants sont... évidemment, nous, on forme beaucoup plus de diplômés qui vont travailler déjà, d'ores et déjà, dans le secteur, disons, de l'action publique en général et le secteur associatif aussi, hein, puisqu'on a à peu près 4 pour 10 de nos étudiants qui, d'ores et déjà, travaillent dans le secteur public et dans le secteur associatif. Bon. On réforme le master à la rentrée prochaine, donc à la rentrée 2021. Toute notre offre de master est réorganisée et le double diplôme avec l'EDEC, c'est une espèce de préfiguration à un an de ce qu'on va mettre en place à la rentrée 2021. Alors, on constate des choses depuis quelques années qui me semblent assez intéressantes. On a deux formations qui se sont beaucoup développées dans les années récentes et ça ne se démentit pas, c'est pas démenti cette année, ça ne se dément pas cette année. C'est notre formation en développement soutenable. Il y a, qui a été l'une des premières, on l'a créée en 2005, donc vous imaginez. Pendant de nombreuses années, c'était un petit peu la formation pour Happy Few. Ils étaient 10-12 et là, on va avoir une trentaine d'étudiants, c'est-à-dire à peu près 10% de notre promo. Hein, donc, ça monte d'année en année. L'autre formation qui se développe beaucoup, c'est une formation autour des questions d'intelligence et de gestion des risques.
D'accord, et donc là aussi, ça se développe depuis plusieurs années, et c'est en train d'exploser encore plus cette année. Et en revanche, de l'autre côté, on voit bien une crise, entre guillemets, par exemple, de notre formation sur les affaires européennes, qui, il y a encore 5 ou 6 ans, c'était notre formation de pointe, à la fois en nombre d'étudiants et puis on va dire en niveau moyen des étudiants qu'on y accueillait. Et depuis quelques années, et encore plus cette année, c'est une formation qui est un peu en crise de vocation, c'est qu'on a beaucoup moins qu'avant d'étudiants qui souhaitent la rejoindre. Voilà. Après, la question que l'on se pose maintenant, c'est est-ce que ça pourrait avoir du sens, et d'ailleurs on pourrait en discuter avec l'EDEC, de monter une formation plus spécifiquement dédiée aux enjeux sanitaires. Parce que c'est vrai que là aussi, c'est une question qui nous occupe depuis pas mal d'années. Moi, je disais tout à l'heure que j'ai beaucoup travaillé sur le sida et sur la vache folle dans le passé. Et moi, je suis assez convaincu qu'il y a deux secteurs en fait en France pour lesquels l'expertise manque, me semble-t-il, c'est l'éducation et la santé, qui sont trop souvent laissés, on va dire, je vais le dire comme ça de manière un peu provocatrice, aux spécialistes des deux secteurs en question, alors que ce sont deux secteurs qui devraient être un peu décloisonnés. Voilà, mais le problème, c'est qu'à ce stade, je pense que c'est pareil à l'EDEC, on n'a pas tant d'étudiants que cela qui sont hyper intéressés. Si on leur dit, vous devriez vous spécialiser dans l'éducation ou dans la santé. C'est plus intéressant d'aller vers le digital, vers la culture, vers l'industrie de pointe que d'aller vers l'éducation et la santé. Il me semble que la crise actuelle, qui en plus révèle des enjeux très importants sur l'éducation, hein, notamment l'éducation distancielle, je pense que ça peut être une fenêtre d'opportunité pour nous aider à booster un petit peu ces deux secteurs-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup Pierre. Alors je crois que nous n'avons plus de questions. Voilà. Donc, nous avons une question de Lucie Barinier de Newstank. Lucie, si vous voulez ouvrir votre micro, voilà, pour poser votre question. Ah, nous avons deux questions. Lucie. Vous m'entendez ou... Ah ouais. Voilà, c'est bon, ça y est, vous avez débrouillé le micro. Allez-y. Alors, j'ai plusieurs questions, je vais profiter d'avoir la parole. D'abord, au niveau des frais de scolarité, est-ce que les étudiants vont payer seulement les frais de scolarité de leur établissement d'origine? Ils vont devoir en payer plus? Voilà, comment est-ce que ça se passe au niveau des frais de scolarité? Et ensuite, j'ai une question qui concerne plutôt la recherche et la coopération académique dont vous avez parlé en présentation, mais que vous n'avez pas réévoqué ensuite. Voilà, enfin, qu'est-ce que vous entendez par tous ces projets de recherche? Combien de chercheurs et de quelles institutions ça va mobiliser? Dans quels objectifs? Et voilà, enfin, qui est concerné et comment par toutes ces questions de recherche? Merci. Alors, bon, Emmanuel ne se rappelle plus, en fait, de tout ça, je vais répondre à sa place. Bien entendu, il va de soi que c'est une formation qui est gratuite, hein, puisque l'avenir est à la gratuité totale de tout. Hein. Non, je rigole, c'était une blague, mon moment mélanchonien. D'abord, personne ne l'a encore remarqué, mais la formation dure 3 ans. Donc, en fait, c'est un master en 3 ans, ce qui est un peu atypique, puisque normalement, un master est en 2 ans. C'est en 3 ans, puisque évidemment, à l'issue, il y a l'obtention de 2 diplômes. Hein, 2 diplômes relativement reconnus, disons, comme ça. Donc, voilà, donc c'est 3 ans de formation. Donc, en gros, l'accord sur le plan des droits d'inscription est le suivant. Les étudiants de l'EDEC payent à l'EDEC ce qu'ils payent d'habitude à l'EDEC, les étudiants de Sciences Po Lille payent à Sciences Po Lille ce qu'ils payent d'habitude à Sciences Po Lille, voilà, pour un master. Et puis, les étudiants de Sciences Po Lille vont payer à l'EDEC simplement une partie des droits dus normalement à l'EDEC et vice-versa. D'accord ? Donc, ce qui fait qu'avec évidemment des systèmes de bourse, donc l'EDEC va donner accès à son système de bourse à nos étudiants de Sciences Po Lille pour le temps que les étudiants de Sciences Po Lille passent à l'EDEC. Et nous, de notre côté, évidemment, si parmi les étudiants de l'EDEC, il y a des étudiants qui sont boursiers de l'enseignement supérieur, nous leur appliquerons la gratuité des droits. Donc, pour résumer, ça n'est pas l'addition de nos droits plus ceux de l'EDEC pour l'ensemble des étudiants. Donc, il y a une dimension, on va dire, économique qui me semble être… D'abord, c'est un très bon compromis qu'on a trouvé, déjà. Et puis, je pense que c'est plutôt avantageux pour l'ensemble des étudiants. Et l'autre question sur la recherche. Alors, écoutez, l'idée… Pour l'instant, on en est au stade de l'idée. Il se trouve que du côté de l'EDEC, il y a des ensembles d'enseignants-chercheurs. De notre côté également, hein, puisque nous sommes rattachés à des laboratoires de recherche du CNRS. Et l'idée que nous avons, c'est de pouvoir répondre ensemble ou de préparer ensemble des programmes de recherche
autour des thématiques liées à l'action publique et au management public et d'obtenir des financements de recherche pour mener des actions que nous mènerions ensemble en y associant possiblement des étudiants justement de ce double diplôme. Donc j'ai cité dans mon exposé liminaire, par exemple, l'hypothèse de proposer à des opérateurs publics régionaux de travailler sur l'évaluation de la crise qu'on est en train de connaître, ou de l'évaluer sur certains aspects. Je pense que je prends un exemple que je connais bien, parce que vous savez que je m'occupe un tout petit peu de questions d'éducation par ailleurs, c'est réfléchir à la question de la fracture numérique et du décrochage des élèves de l'éducation prioritaire dans l'académie de Lille ou dans les Hauts-de-France. Je suis à peu près convaincu que le rectorat de Lille ou l'inspection d'académie du département du Nord ou du Pas-de-Calais, par exemple, serait très intéressé à ce que, coordonné par des enseignants chercheurs de chez nous et mené par des étudiants de ce double master, il y ait une étude qui soit faite sur l'impact réel du confinement, par exemple, sur la réussite scolaire, le décrochage, etc. Que ça, par exemple, là. Donc, on a pas mal de pistes sur lesquelles on n'a objectivement pas encore eu le temps de travailler à ce stade. Voilà, côté EDEC, j'allais dire, il y a le même intérêt réciproque sur les champs de recherche sur lesquels on peut avoir, nous traditionnels, des positions à prendre. D'ailleurs, finalement, la crise sanitaire qu'on traverse, moi je trouve qu'elle pose des questions très intéressantes sur l'utilité de la recherche. Par exemple, tous les débats qu'il y a, puisqu'on peut ouvrir un journal qui à la page 1 va vous dire que la chloroquine est absolument inutile, à la page 2 que la chloroquine va sauver le monde, à la page 3 qu'on aurait dû se confiner, à la page 4 qu'on n'aurait pas dû se confiner, qu'il faut porter un masque, qu'il ne faut pas en porter, etc. On est dans un moment où finalement on pensait être dans une société régie par la technologie, par la science, on pensait protéger de tout, ou en tout cas d'un certain nombre de grands mots, et puis finalement il suffit d'un petit virus pour remettre tout ça en question, pour mettre plus de la moitié de l'humanité à la maison, et pour perdre nos belles certitudes qu'on avait sur la science et sur la recherche. Nous à l'EDEC, on a un principe de... qu'on a appelé de recherche utile, c'est-à-dire que, étant une école de management, on a estimé que on devait, à travers nos recherches, eh bien, apporter des réponses très concrètes aux entreprises et j'allais dire à la société en général, à la communauté si on le peut. Donc ça fait qu'on prend parfois des positions assez fortes sur un sujet ou un autre. Exemple sur le changement climatique auprès de la finance, donc en lien avec le changement climatique auprès de la communauté européenne, par exemple. On a pu le faire aussi en d'autres temps sur la TVA emploi, etc. Et je pense que l'intérêt qu'on pourrait avoir là, effectivement, sur des sujets de recherche, comme l'évoquait Pierre, en lien avec Sciences Po, sur des sujets de grande importance et à fort impact sur la société, on parlait de l'éducation. Économie. Alors, économie de la santé, malheureusement, comme disait Pierre, en France, c'est pas très développé, alors que paradoxalement, dans d'autres pays, c'est un champ en tant que tel. Mais en tout cas, il y a pas mal de sujets sur lesquels on pourrait conjointement, effectivement, avoir des réflexions sur l'impact économique ou l'impact du business sur tel ou tel sujet de société. On a aussi à l'EDEC tout un champ de recherche sur les risques criminels, par exemple. Qui peut être aussi dans certains pays largement en lien avec la notion d'affaires publiques. Voilà, donc c'est tous des sujets sur lesquels, effectivement, à un moment ou un autre, l'EDEC et Sciences Po, Lille pourraient avoir à collaborer, apporter des réponses intéressantes. Je me permets d'ajouter une chose, parce qu'en écoutant Emmanuel, ça m'est revenu. Il y a aussi un point d'intérêt, à mon avis, c'est autour de ce qu'on pourrait appeler dans notre jargon l'historicisation des politiques publiques. Je prends un exemple très simple, vous allez comprendre. Vous avez vu, en ce moment, il y a pas mal d'articles dans la presse sur la crise de la grippe asiatique, la grippe chinoise en 1968-69, qui avait causé la mort de 30 000 personnes en France. Et il n'y avait eu aucune décision publique d'aucune sorte qui avait été prise à l'époque par le pouvoir. Il n'y avait eu pratiquement aucun article de presse. Et évidemment, il n'y avait eu aucune remise en cause des opérateurs publics dans la manière dont ils avaient décidé. Et ça, c'est intéressant, à 50 ans d'intervalle, de faire une espèce de comparaison entre finalement deux crises épidémiques qui vont causer le même nombre de morts, parce que 30 000, bon voilà. D'un côté, il y a 50 ans, rien du tout. Rien du tout. Hein. Et 50 ans après, tout ce qui s'est passé, aussi bien en termes d'arrêt de l'activité économique, de confinement, et aussi de mise en cause des opérateurs publics, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de plaintes qui ont été déposées, etc. Donc c'est aussi intéressant d'historiser, vous voyez, de se demander pourquoi à un moment donné,
un problème sanitaire, en l'occurrence, n'est pas mis à l'agenda public, pas du tout mis à l'agenda public, alors que 50 ans après, il provoque, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, ce qu'on est en train de connaître. Donc, c'est aussi intéressant, je pense, de former les étudiants à cela, pour bien leur montrer également que un problème ne s'appréhende pas toujours de la même manière selon l'époque historique, selon le pays dans lequel il se passe, etc. Merci beaucoup. Merci. Alors, Olivier Rollot de l'Essentiel du Sup souhaiterait poser une question. Olivier, c'est à vous. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Bonjour Olivier. Sciences Po fait plus de business, EDET fait plus de société, on va dire. Et ça rejoint bien, Emmanuel, ce que vous aviez dit sur la nouvelle liaison de l'EDEC. Vous avez d'autres idées de rapprochement ensuite? Parce que là, ça semble ouvrir, et surtout si, comme Pierre parle d'un nouveau diplôme à la rentrée pour Sciences Po, ça semble ouvrir pas mal de champs. Et on a vu aussi à Sciences Po Paris qu'il y avait la création d'une école plutôt orientée management et innovation. Enfin, on a l'impression que vos deux univers se rapprochent. Vous le sentez, vous, profondément? Oui, Olivier, je confirme, on va racheter les decks. voilà, c'est ça, je voulais savoir. Avec les Corona Bonds, de là, on a de quoi faire. Ils ont un super campus, en plus. Bon, le noter pas mal, mais il est plus petit, puis eux, ils ont une piscine. Je pense, moi, que d'abord, il y a évidemment des zones, des points de frottement, enfin, pas de frottement, enfin, de frottement au sens positif entre nos établissements. C'est-à-dire que l'un et l'autre, nous, on fait un peu de formation au business et au management, et l'EDEC fait un peu de formation, enfin, qui renvoie aux sciences humaines et sociales. Donc, on est sur des points de convergence. Et puis, à côté de ça, les enjeux sociétaux sont de plus en plus des enjeux qui entremêlent, les impératifs privés et les impératifs publics, hein, donc qui également croisent ou mélangent les choses. Donc, ça, il y a de l'intérêt à ce travail. C'est bon. Alors évidemment, l'EDEC est plus multipositionné que nous, puisqu'ils ont des campus dans pas mal d'endroits, alors que nous, on est qu'à Lille. Mais il va de soi qu'il y a aussi une dimension sur le territoire de la métropole lilloise et plus largement des Hauts-de-France, parce que sans vouloir trop nous pousser du col, je peux dire qu'on est deux des établissements qui avons à peu près pignon sur rue dans les Hauts-de-France. Et dernière chose, je pense que nos étudiants, ce qui est très intéressant, c'est que quand on a affaire à des gamins qui ont 18 ans, qui passent le bac, entre ceux qui vont tenter Sciences Po, pour entrer à post-bac et ceux qui vont faire par exemple une prépa HEC, une prépa école de commerce pour ensuite intégrer l'EDEC, parmi ces étudiants on a une partie qui est assez proche en réalité. C'est-à-dire que nous, chez nous, on a des étudiants qui quelque part auraient sans doute bien aimé ou voulu faire une école de commerce, et puis du côté des écoles de management, notamment de l'EDEC, il y a des étudiants qui auraient très bien pu basculer, enfin, au sens positif du terme, et passer le concours d'entrée. On en a même qui ont passé notre concours d'entrée, qui ne l'ont pas eu, qui ont fait une prépa HEC, qui intègrent l'EDEC. Donc, il y a des cousinages qui existent, pas simplement en termes d'intérêt sur des thématiques communes, mais aussi un cousinage des étudiants. C'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, finalement, ne sont pas si éloignés les uns des autres. Voilà. Oui, après, c'est effectivement, pour aller dans le sens de ce que dit Pierre, donc c'est une tendance extrêmement forte qui est donc c'est vrai que d'un point de vue bien sûr il y a les compétences multiples avec lesquelles les étudiants vont sortir de la formation, mais il y a aussi des vraies vertus pédagogiques et éducatives en fait, avoir des formations donc hybrides, hein, c'est un peu le mot à la mode aujourd'hui, puisque effectivement on va avoir des étudiants qui vont être confrontés à des disciplines, à des savoirs qui sont différents, donc ça va leur donner des habiletés pour apprendre plus vite, ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire le fait d'avoir été confronté à plusieurs types de savoirs permet d'en acquérir à l'avenir un peu plus vite, c'est un peu, j'allais dire, un peu comme les langues, ça donne une gymnastique intellectuelle un peu particulière, ça permet d'aborder les problèmes sous des angles différents, ça permet de aussi, et ce qui est très recherché par les entreprises finalement aujourd'hui, ça permet de faciliter le travail dans des équipes qui sont des équipes hétérogènes, hein, des équipes multidisciplinaires, c'est-à-dire qu'on va mettre des étudiants, alors comme le disait Pierre, il y a une espèce quand même de cousinage entre nos étudiants, en tout cas entre nos formations, mais pour autant, ça va rapprocher des étudiants qui n'ont pas forcément la même formation, le même parcours, les mêmes modes de pensée. Donc, d'un point de vue pédagogique et par rapport au monde dans lequel on est, par rapport à la complexité du monde et aux incertitudes dans lesquelles on est, c'est toujours des profils, j'allais dire, intellectuels et des manières de penser qui sont intéressantes.
Après, ça pose une deuxième question, parce que ce sont celles des modalités de croissance des institutions, puisque bon, Pierre, effectivement, a souligné que bientôt, Sciences Po allait racheter les DEC. Pourquoi pas, hein, on pourrait recréer une université, tout simplement, et après aller racheter d'autres universités dans d'autres domaines, et on recréerait un grand projet qui est sur l'université. Mais c'est vrai que ça pose la question de des modalités de développement et des modalités de croissance. Vous soulignez l'exemple de Sciences Po Paris, qui a créé son école de management et d'innovation. Moi, je trouve les modalités de croissance ou de développement par agence extrêmement intéressantes, extrêmement séduisantes, parce que justement, sans aller jusqu'à l'acquisition ou la fusion, qui sont quand même des modes de croissance très particuliers, et finalement difficiles, je trouve, à mener dans un monde qui est celui de l'éducation, moi, je trouve que les alliances, justement, comme celles qu'on fait, soit sur un diplôme, sur des projets de recherche, qui est quasiment dans la rue à côté ou parfois à l'autre bout du monde, comme ça peut être le cas pour l'EDEC et pour Sciences Po Lille, sont des modalités que je trouve vraiment intéressantes pour mener des projets à la fois de manière agile, hein, puisque finalement on a décidé ça il y a un an, et puis en un an on a monté le programme et il va démarrer d'ici septembre, et c'est finalement très très agile et très enrichissant. Donc je milite fortement pour le mode de l'alliance plus que pour le mode de l'acquisition, en tout cas dans le domaine de l'éducation. Merci Emmanuel, je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Je regarde sur le tableau. J'avais une question, Florent Véret, des EcoStart. Vous disiez en préambule que vos deux établissements, c'était que peu parlé jusqu'à maintenant. Et il y a des écoles de commerce ou des Sciences Po de région qui ont noué des partenariats il y a bien longtemps, il y a peut-être même plus d'une dizaine d'années. Comment ça se fait que ces deux établissements, grands établissements lillois, se soient ignorés, si je puis dire, aussi longtemps? Alors moi, je suis qu'un petit jeune dans la fonction, donc je vais laisser Pierre répondre. Alors moi, je suis un petit vieux, évidemment, puisque ça fait quand même… Enfin, il y a eu une interruption, mais enfin bon, c'est vrai que je sévis depuis 2007. Écoutez, alors, enfin, comment dire, je pense que côté aussi bien côté, d'ailleurs côté EDEC que côté Sciences Po, il y a une question d'acculturation. Je pense que quand on avait échangé à la fin des années 2000, déjà à l'époque, bon, l'EDEC avait d'autres projets, notamment de transfert physique, de projets immobiliers, etc. Je pense qu'à l'époque, l'idée de la fameuse hybridation dont parlait Emmanuel était moins présente que depuis quelques années. Très, très, très clairement, chacun était dans sa ligne de couloir. Nous, il y a plus de 10 ans, l'immense majorité de nos étudiants ne se tournaient pas vers la possibilité d'aller travailler dans le privé. Et je pense que du côté de l'EDEC, c'était un peu pareil dans l'autre sens, quoi, en quelque sorte. Donc, il y a eu une évolution culturelle, je pense, de nos établissements. Je pense que l'EDEC s'est tourné de plus en plus vers des problématiques publiques. Et puis nous, on a bien compris quand même que les métiers du public qui seraient totalement déconnectés du privé, ça n'avait plus aucun sens. Voilà. Donc il y a eu cette évolution. Je pense aussi pouvoir dire qu'il y a des dimensions générationnelles et d'origine géographique, n'est-ce pas Emmanuel ? C'est-à-dire qu'en fait, on… non, mais il y a aussi cette dimension-là. C'est vrai, il y a une dimension interpersonnelle qui joue toujours dans ce type d'accord, surtout quand on est allé aussi vite qu'on a pu le faire depuis mon retour à la direction de l'école il y a un peu plus d'un an, de Sciences Po Lille. Voilà. Après, effectivement, il y a des accords entre des Sciences Po et des écoles de commerce, mais nous, notre accord est tardif, mais tout de suite, on va être les mieux classés, bien entendu. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous n'avons plus de questions. Voilà, le timing est tenu. Il est 10h29. Merci beaucoup à nos intervenants, à Emmanuel Pierre et Tristan Pierre. Je vous propose de clore la session. Si vous avez le souhait de prolonger les échanges ou de poser d'autres questions ou d'obtenir d'autres informations, voilà, n'hésitez pas à vous contacter. Le service de presse de l'EDEC et le service de presse de Sciences Po Lille est à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup. Et très bonne Merci journée beaucoup. À tous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.